Voilà. Voilà, c'est mieux là. Allez, Lino, frère. Il s'amuse, ses enfants. C'est ouvert. C'est ouvert, attention vite, c'est ouvert. C'est fermé. Allez, laisse. Et c'est fermé. Et on ouvre. Voilà. Ah, c'est super là. Ah, c'est super, il faut bouger. Donc là, il faut faire le trou. Il faut appuyer, vas-y encore. T'appuies bien et tu tournes. Là, tu peux mettre la fleur au milieu. Il faut pas trop appuyer. Là, tu peux faire comme ça. Bien au milieu. Et après, tu appuies fort, 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 fort et tu tournes. Regarde, comme ça. D'accord. Tiens le pot, Ethan. Ouais. Très bien. Donc c'est fini pour ici, mais c'est pas fini complètement. Quand vous allez arriver à la maison, il faudra bien les arroser. Et donc la première fois, on arrose vraiment beaucoup. Et puis après, les fois d'après, on arrose que quand la terre est sèche et un petit peu. Il faut le laisser à la maison, derrière une fenêtre, jusqu'au mois de mai. Et après, au mois de mai, on peut le mettre à l'extérieur, soit en pot, soit en pleine terre. C'est ce qu'il faut. Et dans 2 ou 3 semaines, elle devrait avoir bien poussé. Et à ce moment-là, elle va commencer à faire les premières fleurs. D'accord ? Elle est moins comme ça. Alors.